Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side. My love, you say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. Attendez, hop, la musique qui passe en boucle, excusez-moi. Yo les amis, du coup, comment allez-vous? C'est CyberKoro. Aujourd'hui, on se retrouve, comme je le disais dans le chat, pour un peu de No Man's Sky, et on finira sur du Elden Ring, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de Elden Ring, et on adore Elden Ring, donc voilà. Voilà, voilà. Alors, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve du coup toujours avec mon petit personnage à cap. Qu'est-ce qu'on avait fait la dernière fois? Oh, on avait fait la petite zone juste ici. On avait fait... ouais, on avait récupéré un scientifique. Là, il fallait qu'on récupère encore un autre technicien, là. Je sais plus trop pourquoi. Alors... hop... Hop, voilà, nickel. Une souffrance comme une autre. Allez, bonjour Darkwolf, comment vas-tu? Salut Zaknafion, salut Titouf, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien en ce jeudi après-midi. Bientôt le week-end. On devrait s'en sortir. Hop. Tac. Alors, du coup, les amis... Ce week-end, j'ai fait du coup la mission pour avoir les vifs d'argent. Bientôt, je sais pas quand exactement. Oh, attendez, je vois un truc là. Hop. Allez, excusez-moi, il y avait les spells comme si je jouais à Valo. On n'est pas sur Valo, les amis. Hop, tac. Et tac, voilà. Du coup... Je disais que j'ai récupéré les vifs d'argent qui me manquaient pour pouvoir avoir dans le futur un petit vaisseau de type sympathique. Donc je vais... oula. Et voilà que voilà-je. Nous sommes rejoints par Zouzu39 pour ceux qui ne le savent pas, c'est mon papa. Voilà. Je sais pas... Il y a moyen qu'il me rejoigne en vocal, je sais pas. On verra. Du coup, ici, il y avait quoi? Ici, il y avait rien pour l'instant. On n'a pas encore fait le. Oui, on n'a pas encore fait le coin jardinerie. Hein. Coin jardinerie qui sera dans le coin ici, ce sera tranquille. Mais on n'avait pas encore les données pour ça. Oh. Tac. Alors. Et oui, il est là-bas. Il est là-bas. Et le voici, le voilà. Je vais très bien. JRL, t'en avais parlé pour ma chaîne Twitch et mon Discord. Alors oui, effectivement, j'ai eu des échos. Après, je t'avoue que pour le coup, là, cette semaine, j'ai à peine le temps de faire un stream. Donc... peut-être pas cette semaine que je m'en occuperai, mais je ferai le nécessaire, il n'y a pas de souci, mais peut-être pas cette semaine. Cette semaine, je suis un peu booké
Et puis, comme je commence le travail bientôt, bah, je ferai ce qu'il faut, mais pas tout de suite. Mais oui, effectivement, on m'a parlé de ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, les amis? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Moi, je voulais voir pour essayer quand même de nous faire la petite usine. La petite usine. Hop, je vais reprendre la manette du coup. Parce que No Man's Sky est bien mieux. Ah, regardez-le. Regardez-le, là, le monsieur, là. Ah bah, il a atterri pile poil dans notre maison. Ok. Ok, je sais pas trop comment c'est possible, mais... Ah ouais, si tu peux te pousser un peu. Je sais pas si t'es sur le live ou pas, mais... ça faisait très très bizarre. Donc voilà, monsieur se la pète parce que monsieur vient avec son vaisseau exotique, n'est-ce pas? Non, non, mais on lui fait des bonjours, hop. Et vous voyez que, bon, bah, déjà, lui, il est plutôt bien fourni, bien loti. Et derrière nous, bah, on va aller se retrouver un peu plus tard. Hop. Je sais pas ce qu'il fait. Alors, du coup, l'objectif du live que j'aimerais bien faire, c'est éventuellement essayer de trouver les petites créatures que je vous parlais lors du live dernier pour faire des fermes à nanites. Histoire qu'on soit tranquille avec cette monnaie-là et qu'on puisse derrière aller faire ce qu'on veut. Donc du coup, bah, on va partir et puis on va y aller. On va aller récupérer d'abord, hop, ce qu'on a au niveau de notre cargo. Ton jeu, il est que sur PC? Non, mon jeu, il est sur PS4, PS5. D'ailleurs, bah, Zeus du 39 qui nous a rejoint est sur PS5, pour information. Et il est aussi sur Xbox. Donc, il est retrouvé partout, je crois. Peut-être même sur Switch. Peut-être même. Pas sûr à 100%, mais possible qu'il soit sur Switch aussi. Hop. Qu'est-ce qu'on pue le style avec notre cape, c'est une dinguerie. Hop. Alors. C'est par ici. On a nos éléments de mission. Qu'est-ce que vous nous avez ramené de beau? Je demande un rapport au commandant. Alors, vous voyez qu'on est quand même plutôt riche, hein. Il nous restait encore pas mal de sous-sous. Puisqu'on est resté à 109 millions. Salut JRL, comment ça va? Antenne ironique, ok. Des unités, des lacs de week-end, iridésite. Il a l'air bien cool, en tout cas, ton jeu. Bah, merci. Et bah, en fait, là, ça fait le quatrième ou cinquième live qu'on fait dessus. En fait, j'ai refait une partie de zéro pour vous montrer comment est-ce qu'on faisait du coup au niveau du jeu pour s'en sortir dès le début et tout. Comment est-ce qu'on fait pour être riche? Comment est-ce que voilà, là, du coup, en fait, on essaye d'avoir la deuxième monnaie en grande quantité. Donc voilà. Oh, du coup, j'ai appris la recette, ça c'est trop cool. Nickel. Ok, qu'est-ce que vous nous rapportez, vous? Augmentation de stockage. Des unités. Ok. Du sel d'azote. Ok. Très bien. Nickel. Alors. Ici. Je vois au niveau du cargo. Eux, celle d'azote, c'est vrai qu'on avait eu des. Ça aussi pour les nanites. Et parce que du coup, au final, le live dernier, on avait essayé de récupérer de quoi faire de la ferme à nanites. On n'avait jamais récupéré les petites bestioles qui permettent de ça. Mais on avait récupéré derrière quand même quelques nanites. On était à moins de 1000, si je me rappelle bien, ou tout juste 1000. Donc on s'en est plutôt bien tiré vis-à-vis de ça. Et ici on a une augmentation de cargo.
Ok, très bien. Hop, ici on va retourner ici. Hop, module d'amélioration. Élément de base d'amélioration. Non, ça c'est autre chose ça, encore. Ça c'est autre chose. Ok. Non, ce que je veux faire c'est... Alors, peut-être que je l'ai sur moi et pas dans le cargo en fait. Hop. On le retransfère dans l'exocombinaison. Et du coup, ajouter du rangement supplémentaire. Pourquoi je peux pas? Ben c'est peut-être parce que c'est pas pour lui. Ah! Attendez. Non, c'est pour le vaisseau, c'est pas pour le cargo. Ok, bah, my bad alors. Je pensais que c'était pour ça. On va renvoyer nos frégates en mission. Comme ça, quand on reviendra, on aura de quoi. Se mettre quelque chose sous la dent. Expédition commerciale. Alors. Commercial. Voilà. Je pense qu'on peut mettre ces deux-là. Voilà, niveau de la flotte, du coup, là, on est dedans. Hop. Et expédition. Non, de celle-là. Hop, on va mettre nos vaisseaux de minage et le vaisseau d'exploration. Et ça nous permet, derrière, de pouvoir tout simplement récupérer des choses lors du prochain passage dans le cargo. Hop, ici, du coup. On va pouvoir faire ça. Alors. Attendez, je vais voir si Zouz veut pas venir en vocal pour le live, ça pourrait être cool. Hop, le temps qu'on atterrisse, c'est nickel. Alors. Hop. Hop là, Zeus qui va nous rejoindre en vocal. Du coup, alors, est-ce qu'on a ce qu'on recherche? Non, mais il y a quand même des modules de technologie, et ça pour le coup, on est en manque, hein. Il nous faut un maximum de choses comme ça à récupérer, puisque on n'a toujours pas, comment dire? Ce qu'il nous faut. Par la suite. Hop.
peux te demander quelque chose, oui? Qu'est-ce qu'il y a? Hop, voilà, nickel. Le petit module de frégate. Hein. Allô? Oui. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, on est bon comme ça. Alors, petite mission d'aujourd'hui, on est... Oh bah justement, ah non, c'est des doigts métalliques. Est-ce que ce serait pas... Non, c'est peut-être pas ce qu'on recherche. Parce qu'autant c'est le bon logo, autant je suis pas sûr que ce soit ce qu'on recherche. Est-ce que tu sais comment on crée des émoticônes sur Discord tel? Eh ben on ne peut pas, si je ne m'abuse, je revérifierai, mais je crois qu'on peut pas. Pas te dire de bêtises, mais sur téléphone tu peux pas faire grand chose, il faut vraiment faire ça sur un PC. Ça c'est clair et net. Ah non, c'est de... Non, non, bah du coup non, c'est pas ce qu'on recherche. Il y a bien 3 étoiles, mais c'est pas ce qu'on recherche. Ce qu'on recherche, nous, c'est... des doigts métalliques, donc lui il a de l'or. Lui, il a de l'or encore. Lui, de l'uranium. Ok. De l'uranium. Ouais, non, c'est pas ce qu'on recherche. Il a pourtant... C'est le bon logo, mais pas le... C'est pas ce qu'on recherche du tout, même. Un peu dommage. Ouais. Oh là là, la vache. Par contre, l'uranium qu'il donne, c'est bon. Ouf. T'es sur le casque de la Play, là, ou pas? Non. Non, ok. Ok, ok. Tu cherches pour faire des dynamites, c'est ça? Ouais, bah je recherche les petites bouboules qu'on avait trouvées sur notre partie, tous les deux. Hop. Après, je veux tout pouvoir montrer en live et sur YouTube, du coup, parce que il y aura les rediffs sur YouTube, donc bonjour YouTube, par la même occasion. Hop. Du coup, je refais tout un petit peu, toutes les bonnes astuces qu'on a de notre sauvegarde à nous. On a une 60aine d'heures maintenant, je pense, même un peu plus. En commun. Et puis voilà. Ici, dépôt de cuivre. Tac, tac, tac. Ah, module de technologie, ça je récupère. J'en ai grave besoin. Je vais aller un peu plus loin. Ah, parce que là, du coup, j'ai eu un truc avec les 3 étoiles, mais c'était des trucs métalliques. Donc, j'ai eu de l'or, de l'uranium. T'as moyen de te mettre sur le casque, ce serait préférable pour YouTube, Twitch. Hop. Sur Discord. Ah si, je peux basculer. Ah si, tu peux pas basculer sur la Play Discord. Bâtiment inconnu. Bon, on peut aller vite fait checker le bâtiment. Il est pas très très loin, on va aller checker ça vite fait. Hop là. Hop. Tu as sur ton téléphone. Ah oui, c'est basculer l'appel sur la PlayStation. Sur la PlayStation. Si je me rappelle bien. Après. Ça doit être ça. Il faut que je retrouve les icônes. Transférer sur la PlayStation.
Bon, alors, du coup, tu es venu te la péter avec ton vaisseau poulpe là? Ah, je l'ai vu arriver avec son vaisseau poulpe, j'ai dit ça y est. Est-ce que tu fais des tutos YouTube comment faire Wizbot, OBS ou certains trucs du genre serveur Discord? Alors non, tout simplement parce que il y en a déjà. Après, c'est vrai que ça pourrait être une idée de comment faire les choses et oui, ça pourrait se faire. Je pourrais le faire. Campement de mineurs détecté. Détecté encore à Perpète à Bubblewood. On va appeler Chansus. Notre bon vieux Chansus. Hop. Je pourrais effectivement. Après, moi perso, OBS, je connais pas trop. Je stream avec Streamlabs. OBS, Streamlabs OBS. Donc. Après, c'est à peu près le même concept. Juste, il y a des trucs qu'il n'y a pas sur l'un que sur l'autre. Il y a certains qui vont avoir certaines facilités sur Streamlabs et d'autres. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends même en double. Puisque... oui, non, oui, c'est parce que j'avais mis le live en même temps. Ok. Bon, bah voilà, alors, tout va bien. C'est bon. On est 6 sur le stream, merci à tous. Bienvenue tout le monde. Et c'est le premier stream avec mon papa. Oui, c'est moi. On m'a dit que tu connaissais très bien pour ces choses-là. Et donc c'est pour ça que je me demandais. Alors, je connais les choses de base. Après, de là à dire que j'ai des connaissances poussées sur ça, je ne pense pas. Peut-être aussi pour ça que je fais pas de tuto, parce que si jamais il y en a qui sont qui tombent sur des problèmes que dont je n'ai pas du tout les trucs, je ne peux malheureusement pas vous aider parce que du coup j'ai pas toutes les connaissances pour ça, et donc du coup c'est un peu embêtant. Hop, des améliorations d'exocombinaison, on récupère. Mais après, si tu as besoin d'aide, éventuellement, je peux voir pour t'aider, comme j'ai fait avec J17, mais JRL, pourquoi J17 mais parce que voilà, je peux éventuellement aider, filer un coup de main, mais voilà quoi, c'est oh petit module, ok, de classe B, d'accord. Ok. Bonjour à ton papa. Je te fais dire bonjour dans le chat. Je regarde pas le chat, je cherche ce qu'il nous faut. Ouais, bah. Mais bonjour à tous. Je cherche aussi. Hein. Bon, là, je me suis un peu égaré, mais. En même temps, je ramasse les modules technologiques parce que moi, il m'en faut énormément encore. Bah, dis-moi s'il te faut des trucs. Ah, encore une fois, je t'ai dit, si tu venais. Je connais pas les ressources que tu pourrais éventuellement me ramener, quoi, mais moi là je vois le module technologie, je vais aller le chercher, quoi. Mais, okay. Parce que normalement c'est quand même sur beaucoup de planètes, et je me dis pour le coup j'ai pas encore eu trop de chance. La dernière fois on avait commencé à les rechercher et on n'avait pas trouvé non plus, donc... Et tu veux absolument sur cette planète là? Non, pas forcément. J'avais cherché sur d'autres aussi, d'ailleurs. J'avais cherché sur, je crois, 3 planètes différentes. Mais là, c'est juste parce que j'étais dessus, quoi. Donc, voilà. C'est là où on a notre petite base Corobilan Twitch. Pseudo qui a été trouvé en live, d'ailleurs. RIP, j'ai eu une pub au même moment. Ah, ok. Ah oui, donc je disais du coup que si tu avais besoin, éventuellement on pourrait voir ensemble. Si tu veux un petit coup de main, éventuellement je peux t'aider. Mais voilà quoi, ça. Je pourrais. Enfin, je pense pas avoir assez de connaissances pour pouvoir en faire des tutos sur YouTube. Parce qu'après, j'ai quelques connaissances, mais le truc il est que. J'ai pas non plus, c'est pas
mon domaine non plus. J'ai beaucoup fait mes recherches via YouTube aussi, donc. Alors. Hop. Oh, une petite perle vivante. Bonjour. Hop, on récupère la perle dedans. La perle nous servira plus tard. On va remonter du coup. Il y a que des doigts métalliques là. Ouais, c'est ça. C'est les doigts métalliques moi que j'ai vu trouver. Après, pour le coup, ils m'ont quand même donné 4500 d'or et 5500 d'uranium. C'est pas trop mal non plus. On va pas se plaindre. L'uranium, c'est plutôt cool à avoir. Mais je pense que du coup sur cette planète c'est un peu mort, on est sur une planète paradisiaque. Peut-être que ça change un truc, je sais pas. Mais en tout cas, je crois pas qu'il y en ait dessus. Ouais, parce que là c'est pareil, c'est des doigts. Pourtant c'est le bon logo, mais c'est pas, pas ouais, le même truc quoi. Donc, hop, chance. T'as de quoi faire des distorsions ou pire ? J'ai un vaisseau sentinelle quoi. Ouais, donc tu peux. Aller chercher ailleurs. C'est ton cargo que t'as appelé là? Non. Non. Je sais pas, y a un cargo qui me spawn dessus limite. Hein. Ça, c'est des frégates. Ouais, je veux juste voir vite fait le cargo, savoir s'il est meilleur que moi ou pas. Je ne peux pas appeler mon cargo. Ça risque de spoiler des trucs. Oui, bah ton vaisseau aussi. Le fait que tu viennes avec ton bâton en main, ça spoil. Pardon, j'ai pas pensé à ça. Bah, mon vaisseau aussi, c'est un vaisseau exotique, tout le monde peut l'avoir. Par contre. Celui-là, c'est un des plus rares du jeu. Déjà, c'est le poulpe, et en plus, les tentacules se rétractent quand on atterrit. C'est un des plus rares du jeu. J'ai vraiment eu de la chance. Alors, bah, je vais juste vite fait regarder si ce cargo-là est un peu mieux que le mien. Si oui, je change vite fait. Sinon, je garde le mien. Il faut que je regarde au niveau des pièces à vivre, hein, n'est-ce pas ? Ici, il y a un modificateur d'apparence. D'accord. Ici, c'est quoi ça? Ok. Ouh. Là, c'est une carte. Oui. Non, je suis arrivé à un endroit où il fallait pas. Ah. Ça va, le poulpe est bien équipé quand même. Oui, je suis pas inquiet. Mais... Je suis inquiet pour eux, quoi. Bon. Allez, assez rigolé. Carte galactique. Alors. Mais il y a des trucs où, tu vois, je peux pas encore voyager, puisque ouais, il nous faut le bon générateur moteur. À Emeril, tu vois, ce genre de truc. C'est quoi, ça hein? Allez, admettons, on va aller dans celui-là. Je pensais pas qu'il y aurait autant de monde, mais on est 6 sur le stream, ça fait plaisir. Merci à tous de votre présence. Merci pour vos lurk et pour vos lurk, pardon. Et c'est cool de vous voir sur ce jeu. Incroyable, No Man's Sky. Hop. Il y a encore un cargo là-bas. Non, mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Ah. Message urgent de la colonie. Oh non, encore une colonie. C'est le problème, c'est que j'en ai déjà une. Tiens, d'ailleurs, ce serait que je revois où sont les miennes. De rien, et merci à toi de nous montrer du contenu.
Eh ben, si tu veux savoir un petit peu les débuts, il y a les débuts de cette aventure, du coup, qui sont sur YouTube. Il y a les rediffs, et il y a même un épisode hors série, du coup, pour récupérer des vifs d'argent qui nous serviront derrière à récupérer un vaisseau bien particulier, mais bien bien cool. Je vous en dis pas plus. Parce qu'il y aura un épisode dédié à ce vaisseau, donc je vous en dis pas trop. Parce que sinon ça risquerait de vous spoil et j'ai pas trop envie. On va essayer ici, sur cette planète là. Et puis voilà. Hop. Pièce récupérable, moisissure fongique. Alors, moisissure fongique, c'est exactement ce qu'on veut, en fait. On veut de la moisissure fongique, parce que la moisissure fongique, quand on la met dans... comment ça s'appelle, déjà? Le... Voilà, hein? Voilà, le four. Quand on la met dans le four, quand on la met à cuire, ça fait de la nanite. Donc... la raffinerie, peut-être. Voilà, la raffinerie, voilà, merci. Je galérais un peu. Oui, je veux ça. Alors. Ici, on a un petit module technologique. Machine endommagée. Contenu récupérable. Ok, il y en a encore là. Oh, peut-être pas ce qu'on recherche, mais wow, le nombre de modules technologiques sur lesquels il y a juste à côté de moi là. Petite folie. Hop. Je suis sûr qu'avec ton bâton, tu pourrais même voir certains gens. Là où je suis. Ah oui. Hop. Je parle pas trop pour pas dire de. Ouais, bah y a pour pas de... spoiler. Non plus. Il y a pas trop de problèmes après. Façon, si tu spoil, bah c'est pas grave. Hein. C'est juste un objectif après. Aller voir en vidéo. Aller chercher. Obtenir tout ça. Mais du coup, la dernière fois sur le live, on avait des gens. Ils ont plus de 9000 heures sur leur partie. Je suis le... Ah ah, ah, bah bonjour. Enchanté, je dois avoir en tout 300 petit... heures. Je suis petit joueur, moi. Au cumul sur toutes mes parties, je dois avoir à peu près 300 heures, donc bonjour. Je dois être à 400 ou 500, mais... Hop. Hop, on récupère quelques... Oh, c'est des données. Ah non, c'est des nanites. J'allais dire, après, j'ai récupéré des... Ouais, je te montre un truc, mais hors... Hors live, bien sûr. Hors live. Hein. Bien sûr, bien sûr. Alors... Module de technologie enfouie. Je suis sur une planète irradiée. Attaque sentinelle entoure, en cours. Venez voir là votre colonie. Aïe, 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 aïe. Ça s'appuie un peu. Beaucoup, peut-être. Tu veux un coup de main? Tu me dis, hein. Non, c'est pas les sentinelles qui m'embêtent, mais... T'as vu comment je l'ai cherché, le mot? T'as vu la retenue? T'as des problèmes. Hop. Ouais, du coup, il y aura pas de musique de fond aujourd'hui. En général, je mets une petite musique de fond. Là, on n'en aura pas, puisque du coup, on est en vocal. Donc, juste s'il y a le vocal plus la musique, ça va faire un peu brouillon et j'aime pas trop. Donc, pas de musique aujourd'hui. Mais, tu m'avais pas dit que je serais en vocal. De quoi? Tu m'avais pas dit que je serais en vocal. Bah, moi, en fait, quand tu m'as dit que tu voulais venir, moi, je pensais direct que tu venais vocal aussi.
Ah là, après, je t'ai proposé parce que du coup, c'est plus drôle. Enfin, c'est mieux pour le stream, quoi. Les gens t'entendent, tout ça, machin. Et puis derrière, nous, on communique plus facilement que si tu dois regarder le live sur le côté, quoi. Comme quoi, il n'y a pas que les jeunes qui jouent. Hop, surtout, n'oublie pas de scanner, hein. C'est toujours des crédits gratos. Ouais, ouf. Ah, mais c'est une petite technique que je leur ai appris. Voilà, au tout début, on crache pas dessus. Hein. C'est 1600 par créature. 1600, 1800 au début, quand t'as pas de thunes du tout. Bon, voilà. Après, maintenant, je vous ai appris à faire énormément de sous. Voilà. Encore une fois, allez voir le stream de le dernier stream qu'on a fait. On a récupéré un vaisseau à 51 millions. Bon, voilà. Je dis ça, je dis rien. Mais maintenant, je vous ai appris à devenir riche. Nous, on est resté à 109 millions. Je suis même plus riche limite que sur ma partie avec toi. Je crois que je dois avoir plus de monnaie sur moi que. Ah, attends, j'ai peut-être. Ah. Je vais vérifier. Parce que moi, j'ai des trucs jaunes, mais c'est pas le même chose, quoi. Je suis pas sûr que ce soit ça. Ah non, c'est encore autre chose. Encore autre chose, ok. Sac à venin. Sac à venin ? Mmh. Ok. Oh, tu t'approches, il y a des pics qui sortent. Et oui. Mais je crois que ça vaut des sous, ça. Ouais, ou vite fait, quoi. Ouais, encore. Pas ce qu'il vaut le plus cher. Je reprends d'un. Ah, par contre, ça attire les sentinelles. Oups. T'es obligé de me battre encore. Oh là là. Tu vas pas t'en sortir. Oh là là, j'ai peur. Mon dieu. Ils vont me tuer. Donc là, ce qu'on est en train de rechercher, c'est tout simplement de quoi faire une ferme à ananite. À moisissure fugueuse, du coup. Qui derrière la raffinerie, hop, on les met dedans et hop, ça nous fait des nanites. Donc c'est la deuxième monnaie du jeu qui est juste ici en fait. Vous voyez que là du coup, je vous ai montré comment faire des unités. Là aujourd'hui, on va essayer de vous montrer comment on fait des nanites sans trop se casser la tête. Et les vifs d'argent, bah, j'en ai fait une vidéo hors série du coup sur la chaîne YouTube. Pour s'en faire un certain nombre assez rapidement, sans trop se compliquer la vie. Sachant que les vifs d'argent, c'est notamment, précisément, alors, principalement, voilà, ce que je cherchais, c'est le mot que je cherchais. T'as du mal aujourd'hui, hein ? Ouais, un peu, un petit peu, ouais. Un petit peu. Principalement, du coup, ce que c'est pour la décoration, même si on va voir qu'effectivement, on va pouvoir récupérer un vaisseau avec ça. Et bah, du coup, je sais qu'on peut récupérer des caps, on peut récupérer des skins de personnages avec. Donc on a quand même pas mal de choses qui sont disponibles avec ces vifs d'argent et qui sont un peu galères à récupérer d'ailleurs. Mais c'est le jeu. Ma pauvre Lucette, comme on dit. Alors, on va juste essayer de récupérer ce petit conteneur récupérable. Parce que je regarde autour de moi. Oh. Tac. Bah. C'est quoi ? Donc je pense qu'à mon avis, si t'as le même logo et que t'es pas sur. Et que c'est pas ce qu'on recherche, je pense qu'à mon avis, c'est. Faut changer de planète, quoi. J'en ai bien peur. Hop, conteneur récupérable. Je vais changer de planète. Qu'est-ce qu'il y a la sentinelle là ? T'es pas contente ?
Ah bah tu meurs. Ah oui, parce qu'au final, moi j'avais dit quoi? J'avais dit, bon, du coup, en fait, j'aimerais bien avoir des nanites pour pouvoir améliorer à fond le multi-outil. Et au final, notre multi-outil, bah, il a déjà 3 emplacements. C'est sûr que le végétal. Le. Vague. Wesh! Zach, qu'est-ce que tu nous racontes là? Sac à venin, ça vaut 60 000 unités quand même. Donc, du coup, je disais, ouais, on avait dit qu'on voulait récupérer, qu'on voulait améliorer notre multi-outil, qu'on voulait réparer et l'améliorer, et au final, on voit qu'on a déjà quand même. En potentiel de dégâts, on est déjà à quasiment 4000. Et on a une portée de scanner de 312, donc on n'est pas si mal quand même pour le... Un multi-outil récupéré gratuitement, on le rappelle, grâce au sentinelle. Puisque de base, c'est des choses qui appartiennent aux sentinelles. Aussi bien notre vaisseau que le multi-outil. Après, je sais pas si tu as déjà vu les cœurs cristallisés. Non, je ne cause pas. Parce que justement, j'ai besoin de cœurs cristallisés pour pouvoir réparer mon multi-outil. Mais au final, on a quand même déjà bien amélioré et on a même, j'ai même amélioré ma visière à fond. Chose que je n'ai même pas fait sur la grosse sauvegarde, donc c'est à dire que j'étais persuadé que si je l'améliorais, je trouverais plus facilement les bah, si t'as une plus grande portée, oui, mais bon. Oh. Vraiment, j'ai atterri dessus, quoi. J'ai fait aucun effort. J'atterris sur une plante mangeuse. J'arrivais, j'ai fait un grand saut. J'ai atterri dessus. Aucun effort pour essayer de se dire ouais, non. Non. Aucun. Hop. Eh ben, je pense, les amis, qu'on va aller changer de planète. Tac, tac, tac. Et tac. Alors, pot de jade. Et le blé. Alors. On appelle Chansus. Notre bon vieux Chansus. Donc le truc, l'objectif de cette série, on va dire, la série un peu tuto, comme j'aime bien l'appeler, elle est de se débrouiller à trouver des bons vaisseaux. Elle est de se débrouiller à trouver vaisseau de grande taille. Bon. Où, ton vaisseau de grande taille? Il est pas là, ton vaisseau de grande taille? Il est de trouver des bons vaisseaux, de trouver son cargo, la colonie, tout ça. Tout ça, je vous apprends un petit peu à le faire avec moi, du coup, puisqu'on le fait ensemble sur le jeu. Et que je vous montre comment moi je fais, comment est-ce que on réussit à faire un peu d'argent, comment est-ce qu'on réussit à faire un peu d'amélioration. Il y a certaines améliorations à avoir en priorité, tout ça. Ça, on vous explique ensemble. Et c'est pour ça aussi que c'est suite à la grosse mise à jour des stations spatiales que j'ai fait que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo astuce, parce que je sais que, le petit guide, on va dire, parce que je sais qu'il y en a pas mal qui ont repris suite à cette mise à jour, ont repris le jeu après ça, donc
Hop. Moi, je suis sur une planète, il y a exactement... Il y a exactement quoi? Les mêmes boules qu'on cherche. Ouais. Sauf que c'est de la ferrite. Ah, mais non. Il y en a partout, par contre. Mais non. Mais c'est pas... Elles sont pas notées. Bon, cette planète est gorgée de flotte, donc on va éviter. Hop, on va aller sur celle là-bas. Ah, c'est une lune. Bon. C'est une lune. Faut dire que moi, sur ma grosse partie, je me suis installé sur une lune, donc c'est pas dérangeant. Hein. Lune miasmatique. Ok. Bon. Le problème, je sais pas comment tu fais toi pour les pour scanner, mais. Je fais avec la visière. Hein. Ouais, à pied, tu le. On est d'accord, tu fais ça. Oui, à oui, pied, ah oui, je fais tout. En vaisseau. Hein. En vaisseau, tu dis. C'est une balade digestive. C'est ça. Pour le coup, je n'ai pas trouvé ce que je recherchais, donc c'est un peu dommage. C'est vrai que c'est très ennuyant à chercher. Mais une fois qu'on les a, après on est bien content parce que du coup, ouais. Derrière, ça ouvre des. Bah, c'est ouvre le week-end dernier, je suis arrivé sur une planète. J'ai ouais. Atterri à côté du vaisseau. Mais non. Ouais. Et il y en a 6. Donc c'est vraiment un coup de chance quoi. Puis là que t'en cherches, t'en trouves pas. C'est ça. Ah là j'ai un 2 étoiles. Ah, c'est... Ah bah, les 2 étoiles j'en ai partout moi. Ah, bah, ouais, c'est la première fois que je vois un truc. Depuis le 3 étoiles de tout à l'heure, mais c'était des minerais là. Doigts métalliques. Voilà. Excusez-moi pour le téléphone. Je sais pas si ça s'est entendu. Bon, ouais, si ça s'entend, mais c'est pas très très grave. Ouais. Pas comme s'il faisait un bruit non plus. Très très fort d'un coup, c'est une petite mélodie, ça va. Pour le coup, là, moi, je dois être nul en recherche de ça, parce que c'est vraiment toi qui nous l'avais trouvé déjà de la dernière fois, donc... Bah tu vois, là, j'en trouve pas non plus. Ah! Non, c'est des sacs de venin. Aïe, aïe, aïe! Les 3 étoiles, sac de venin! Qu'est-ce que vous foutez là? C'est pas ce qu'on veut! Alors fais attention, si t'en prends un, ça... Je vais quand même vous montrer parce que voilà, mais bon. En gros, le sac de venin, c'est ça. Et fais attention quand tu t'approches. Ah bah, j'ai pas le gant. J'ai pas. Ah bah non, bah non. Bah non. Ah non, ça coupe des nanites et j'ai pas. J'avais pas les nanites pour ça. Parce que pour le coup, les nanites, on les a dépensés dans quoi? On les a dépensés dans le vaisseau qu'on a craft. Et on les a dépensés dans peut-être des découvertes de craft, mais pas plus. Bon, alors du coup, on va appeler Chansus. Notre grand Chansus, puisque du coup, ici, on a des sacs de venin. Donc, oh! Bah, attendez.
On va aller checker vite fait là, le bâtiment. Hop. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, posez-les, je me ferai un plaisir de vous répondre. C'est vrai que No Man's Sky est assez vaste et on peut se poser pas mal de questions quand on est juste observateur de tout ça. Coucou Solena, comment ça va? Hop. Pousse malheur que je file au boulot. Trop de boulot, désolé, à tout à l'heure. Pas de soucis, Solena. Bon courage. Pas décidément. Ah non, je voulais pas m'asseoir en fait. Je vais vite faire les défendre ma colonie parce que ça me saoule d'avoir le message là. Je vais aller à la station spatiale et je vais me TP. En espérant que ça ne bug pas. Comme ça, on a l'habitude. Hop, station spatiale. Allez, je bois même si Néo me l'a pas demandé, parce que je sais que s'il avait été là, il me l'aurait demandé. C'est pas du passé, ça. Hop là. Oh, elle est jolie cette station, en violet. Elle est toute violette, la station. C'est vraiment cool, quand même, qu'ils nous ont fait, là, quand même, avec la... cette mise à jour de... des stations. Elles sont vraiment jolies, maintenant. Ok, pas photo. Hop. Votre colonie, nickel. Et du coup, je laisse Zouz faire les recherches, continuer les recherches, et nous, on va aller juste défendre notre colonie. Qui est un petit peu dans le mal, puisqu'elle se fait attaquer par des sentinelles. Alors, j'ai même pas le temps d'atterrir que. Ah, c'est vrai que j'avais construit le bar, je crois, la dernière fois, non? Je sais plus ce qu'on avait construit, mais il me semble que c'était le bar. Alors. Ouais. Qu'est-ce que c'est que cette planète? Mmh.
Je crois qu'on est sur encore un moment où je vais passer une trentaine de minutes, je pense, à défoncer, à défoncer de la sentinelle. En plus, on est en pleine alerte de blizzard. Voilà, on va aller se planquer à l'intérieur. À la limite, même, je peux les tuer d'ici. Hein. Pendant la tempête, parce que vraiment, pendant la tempête, on voit rien sinon. Ouais, ça respawn encore et encore. Je ne me souviens pas qu'il y avait autant de sentinelles. Alors. Hop. Qu'est-ce qu'il y a le chat ?
Alors. Mais c'est vraiment la guerre. Hein. Ça pour 3 sentinelles qui se battent en duel chez moi là. Ah, dans ma colonie. Après l'avantage, si je me rappelle bien, c'est que ça fait pas mal de. Pas mal de naniques potentielles. Et je vais juste regarder un truc. Voir la requête citoyenne. Ah oui, c'est vrai. Vas-y, on autorise la mission. Tant pis, ça va augmenter la dette, mais une expédition, c'est toujours cool. C'est genre une mission des colons, quoi. Je découvre encore des trucs. En même temps, c'est pas comme si le jeu était fait pour découvrir masse trucs que tu pensais jamais voir dans le jeu, quoi. Connais-toi les fissures de lumière. Fissures de quoi? De lumière? De lumière. Ouais. On l'a déjà vu. Du coup. Pardon. Hop, hop. Tac, tac. T'en sors? Ça va, ça va. Un peu long, mais ça va. Je sais pas combien de temps est-ce que ça dure, mais... J'en sortirai vainqueur au final, parce que plus j'en détruis, plus j'ai de loot, et donc potentiellement des nanites aussi. Avant d'avoir l'usine à nanites, c'est pas trop mal. Citoyen qui sort normal alors qu'il y a les citoyens qui me tirent dessus, les sentinelles qui me tirent dessus, c'est rigolo. Ah, système de vie critique. Pour ça, faut juste récupérer les recharges de boucliers et on se remet quasi full vie. Merci les sentinelles, le drop de quoi nous remettre de la vie. Par contre, pas merci de vos heals entre vous là, ça je suis pas d'accord. Enfin, j'ai vu un chrono, j'ai cru que c'était le temps que je devais encore me combattre contre eux. C'était genre un truc comme 3 quarts d'heure et tout machin. C'est juste mon expédition de frégate. Je vais dire encore 3 quarts d'heure à massacrer des sentinelles. Pas foufou quoi. Tac. Alors,
Bon, on n'a pas de pot aujourd'hui. Ouais, non. Il y a des jours comme ça. Déjà la semaine dernière, j'ai essayé de chercher les petites bouboules, là, mais impossible de trouver. Tac. Les gens s'ennuient quand même. Bah, c'est pour ça que là je suis en train de combattre les sentinelles. Ça va les occuper 5 minutes. Ouais, y a des vers géants. Hop. Quand même bien changé, hein. Ouais. Bah, c'est pour ça que je fais un peu tout ça, parce que pour les joueurs, les anciens joueurs qui reviennent, il y a tellement de trucs qui ont changé que ça peut bousculer au premier abord. Comment elles sont fournies les planètes? Sur une planète, j'ai de l'herbe. Je vois pas, j'allais dire, je vois pas où la dernière sentinelle. Bah, bien sûr, ça me respawn sur la tronche. Mais alors là, on vous a vu, hein. Extrait composant. Vous allez voir que ça va vite remplir le vaisseau. Hein. Hop. C'est bon là? Y a plus personne? Ah si, y a encore un méchant, bien sûr. Et là, ils m'ont tous respawn dessus, encore. Je sais pas, ça dure combien de temps, ça, mais... C'est la première attaque que t'as? Ouais. Ah oui, la première, elle est longue.
mince, mon inventaire est plein. Là, je suis au taquet, mais... en exo-combinaison, ça y est. Ah ouais. Je peux plus l'agrandir. Mon cargo il a 3 places. Mon cargo c'est pas celui que j'ai sur le save. Hein. Il est tout rikiki mon cargo. Pas de place. Tac. On récupère, c'est bon là? Bah non, je suis en train de me faire tirer dessus. Avec leurs yeux tout rouges là. Ou violets. Hop. Tout ce que vous voyez là, après on va pouvoir le récupérer en verre là. Et ça va nous rendre un peu riche, un peu, je dis bien, parce que pas totalement non plus, faut pas déconner. Hop.
Ah, sinon, au pire, on ira éventuellement sur sur celle de la save un multijoueur, hein, si vraiment on voit pas UTP UTP dessus, et puis moi je te rejoins via le Nexus. Ça, c'est une autre petite astuce qu'on peut voir avec les viewers, bien sûr. Comment rejoindre un mec, quelqu'un de votre groupe, sans trop se compliquer la vie. Je crois que ça coûte des sous. Et beaucoup de données, enfin beaucoup de propulsion. Mais c'est infernage aujourd'hui. On fera ça après la guerre civile que je suis en train de faire face aux sentinelles. Mais... Je sais que sur les planètes gelées, il y en a. Sur les planètes quoi? Sur les planètes gelées. Oui, parce que bah oui, la nôtre est sur une planète gelée. Donc je vais aller essayer d'en trouver une. Bah là techniquement j'en suis sur une, hein. Donc peut-être que pas loin de la colonie. Ah bah. Ouais. Bah on verra après le Bagdad. Recharge au pire moment, vas-y, je te dis rien. J'allais dire c'est bon, c'est fini, et ben non, toujours pas. C'est vrai que j'ai mon pont pour vite clean les trucs, hein. En deux shoots ils sont clean. Hein. Quasiment. Les deux shoots que je touche en tout cas ils sont morts. Tout ce que j'ai à ramasser là encore. Hein. Ça, c'est une grosse bête. Hop. Ah, je vois tous les trucs verts qu'il y a au sol, j'ai dit waouh. Quand même. Tu fais un tapis. Le tapis il est bien garni dedans.
Mais après, il y a un big boss à la fin ou c'est comment? Parce que. Oui. Pas que j'en ai ras le cul, mais un peu quand même. Je vais avoir une tendine tout droit à force de cliquer sur la souris. Parce que vu comment je suis parti en mode c'est la guerre, je suis dit vas-y, on prendra la manette après, mais. Mais la visée de la souris sera beaucoup plus simple pour la guerre, quoi. Huit nanites. Par contre, moi, je suis déjà à 6000 nanites, alors qu'au début de live, j'étais à 5000 et quelques. Hein. 5600, 5800, je sais plus. Mmh. Ça rapporte de rentrer en guerre avec les gens, là. Ils ont enlevé les fous, bon, ça se passe. Ouais, par contre, c'est horrible. Hein. J'ai l'impression que ça fait 20 minutes là que je suis dessus. Mais... J'aurais pu faire que ça vienne un peu plus vite quand même, parce que là, pour le coup... Ça va que j'ai pas eu trop de tempêtes non plus, parce que, y a un blizzard sur cette planète... Blizzard... Blizzard plus attaque de sentinelle, c'est un peu embêtant. Il est où? Il est là. Je trouve pas ce qu'on veut. Alors c'est qu'il y a des habitants de temps en temps. Je les vois passer en pleine ville, genre comme si de rien n'était. Alors qu'il y a une attaque de sentinelle et depuis tout à l'heure je suis en train de canarder quoi. Je suis sur un toit, je canarde et ils ont rien d'autre que de se dire ah bah tiens ici j'allais me balader en ville. Oh, il y a la 10e guerre mondiale là, je sais pas ce qu'il nous fout. Hein. Allez dehors. Si t'aides pas, bah tu restes chez toi. Ah c'est bon, il le heal. Oh le méchant. Oh le malandrin. Huile personne toi. Et toi tu te fais pain. Voilà. Wow. C'est que bestiaux sur ta planète. Hein. Sur quoi? Oui sur... Sur ta planète là. Corobiland, ouais. C'est long à trouver. Bah par contre, une fois qu'on l'a, on est bien. On est bien parce qu'il y a quand même pas mal d'autres trucs qui s'achètent en nanite. Hein. J'en ai trop, moi, maintenant. Ah ouais? Bah, j'ai plus de 100 000 nanites et puis... Je sais pas. Bah tu vas pouvoir faire des vaisseaux à la main. Des vaisseaux à la main? Oui, tu as crafté ton propre vaisseau. À base de pièces de vaisseau. Ah ouais, faut que t'achètes. Récupère. Mais il faudrait qu'ils... Je suis d'accord avec toi, il faudrait qu'ils mettent tous les genres de vaisseaux. Oui. Parce que si tu pouvais créer ton propre exotique... Alors, exotique, je sais pas, mais au moins... Ton sentinelle.
Qu'est-ce que c'est que ce bestiole encore? Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Mais il y a de ces trucs sur cette planète. Ah, mais c'est en l'air, ça. Des ombres, en fait, par terre. C'est bon, là. Attends. Résultats seront disponibles. Les experts de l'expédition des colons sera disponible dans 20 minutes. C'est-à-dire qu'ils ont presque fini leur expédition. Je suis toujours en guerre, là. Non, mais c'est... Hein? Ouais, hein. C'est pas du possible, ça. Ah ben là, je te jure, la place centrale de la ville, elle est remplie de capsules vertes, hein. Si je récupère quasiment rien, je suis quand même full stuff. Enfin, au niveau de mon inventaire, après, il remplit pas dans le vaisseau. Hop. La nanite, tu dis? Ouais, la nanite. C'est la monnaie du jeu. Enfin, c'est une des monnaies du jeu. Ah, oh, c'est bon, ça me saoule. Il y a trop de sentinelles là. Dix ans que je tire sur les nanites là maintenant, sur les robots là. Bon, amenez-moi votre boss et on n'en parle plus là. Cela. C'est bon, diplôme que je vous tue. T'es sûr qu'il y a une fin, hein? Parce que là, pour le coup... Ah oui, oui. Ça me paraît une éternité que je sortirai dessus, mais... Franchement, je m'en rappelle plus... Je sais que ça... Après, c'est... Bon, ben, c'est... Alors, on t'a perdu sur le milieu de ta phrase, à peu près. Ah, je disais quoi? Bah, que c'était long, mais que... Oui, c'était long. C'était long... Pourquoi je dis ça? Au niveau des attaques sentinelles, là, dans la colonne. Oui, c'était long, mais après, les autres d'après... Pire 8 qui se battent en duel. Mais la première était longue. Ouais. Mais je saurais pas te dire combien de temps. J'ai arrêté de dire lorsqu'il a dit réfrigérateur.
Hop. Bon bah les amis, c'était pas censé durer aussi longtemps que ça, hein, l'attaque de sentinelle, donc vous pouvez m'en excuser, mais pour le coup, ça fait peut-être depuis la moitié du stream qu'on y est dessus. Oh bah exagère pas quand même. Non, on est à une heure et demie de stream, ça fait bien 40 minutes maintenant qu'on est en train de défoncer de la sentinelle. Non. Si. Donc ça. Ah bah. J'ai fait 2-3 planètes où j'ai checké si on n'avait pas les petites bouboules là qu'on recherche, mais Je fais que ça, tu sais. Il y a tellement de capsules que ça m'empêche de me déplacer si je suis au sol. Ah oui, quand même. Une heure que je dors. Ouais. Je m'étonne. Comme somnifère, ouais, c'est pas mal. Bon, il est où Minotaur là? De toute façon, c'est quand on t'en cherche comme ça, ouf pas. Faut arrêter de chercher, mais j'ai essayé aussi. J'ai dit, moi, l'autre fois, je suis descendu du vaisseau. Normalement, j'avais entendu dire qu'il y en avait sur toutes les planètes. Techniquement, il est censé en avoir sur toutes les planètes, après... Ah bah tiens, une annonce météo. Allez, je viens de la voir, puisque je suis sur ta planète. Quand tu m'as dit que c'était une planète gelée... Tiens, on va aller voir. On va se protéger un peu... s'arrêter de chercher pour ça. Pour une petite tempête quand même. Alors, ce qu'il y a dans les tempêtes, c'est quand tu arrives à cristal tempête. Pas mal ça. Oui, les cristals tempêtes, ouais. Ouais. Ouais, ça rapporte bien ça. J'en ai déjà récupéré en live. Et wesh. Dingue quand même ce qui se passe. J'ai pas une porte là ici. Donc on peut pas me mettre à l'abri. T'as expliqué à tes viewers comment tu protèges des tempêtes. De quoi? T'as expliqué à tes viewers comment se protéger des tempêtes à côté de vaisseaux, de bâtiments. Oui, c'est oui. Il suffit juste de creuser. On peut creuser juste dans le sol et ça nous protège. Mais... Oui, c'est ça. C'est le truc bête, mais... T'inquiète, je n'ai pas vu la diff. Non. Oh, mais je l'ai vu qu'au dernier moment, lui. Même beau jeu. Ah bah la tempête de glace, elle est un peu chiante pour ça parce que vraiment tu vois pas où tu vas en fait. Mm. Et ça c'est un peu dommage parce que pour le coup... Ouais, je t'ai rentré dans la maison toi. Bon alors, petit récap. On va ouvrir tous nos verres récupérés, du coup. Hein. Ça y est, c'est bon? Non, pas encore. Ah? Mais disons que...
Là, comme je suis en pleine tempête, le temps que ça se calme, voilà, à l'heure de fin de tempête, nickel, on va pouvoir bouger. Je récupère juste les verres, enfin j'ouvre les verres. Récupérer. Alors, du coup, c'est une bonne technique aussi pour farmer les nanites, puisque vous voyez que ici, la 2800 nanites, il y a moyen de récupérer de la nanite assez rapidement, parce que du coup, ça nous donne des modules qui sont... qui peuvent être mieux que du S, mais des fois, la plupart du temps, sont pires que du S. Enfin, que du C, pardon. Ouais. Ouais, c'est selon les planètes. De quoi ? Les X. Sur certaines planètes, ça va être beaucoup plus efficace que du S. Et... ouais, c'est ça. Plus. C'est un peu aléatoire, là. Même pas d'étoiles sur ta planète. Mais moi c'est comme ça sur quasi toutes les planètes que j'ai visitées. Aucun truc à étoiles. Même pas 400... un, deux, même pas... Ça fait 450 km que je cours. Mais le truc c'est qu'ils sont censés être dispo sur 33% des planètes. Hein. Ouais, c'est ça. Ah, bon, vous voulez pas juste me donner la fin là de cette raid de Sentinelle, parce que là c'est même pas un raid, c'est une guerre civile là. Intergalactique. Oui, intergalactique bien sûr, parce qu'on est dans le terme des vaisseaux de l'aspect. Les vaisseaux spatiaux, tout ça, machin. Donc oui, une guerre intergalactique, hop. Non, mais par contre... Je suis ton père. Oui, bah, c'est vrai. Côté viewer, ils doivent pas avoir la F. Oh, bah quand même, Star Wars, c'est connu. Oh, tout le monde n'aime pas. Hein. Tout le monde n'aime pas, forcément, mais c'est... Même sans avoir vu Star Wars, les gens connaissent. Je suis ton père. Hop. Luc. On aurait dû t'appeler Luc. Hop. Trop gentil, tu seras du côté obscur. Tu l'auras par Maître Yoda. Gentil, tu seras dans le côté obscur, tu sais. Attends, dans le côté obscur, tu l'auras par Maître Yoda. Ok, il doit manquer un petit mot ou deux, mais ou à moins que j'ai pas compris trop la phrase, mais ouais, tu n'as pas tout compris, jeune Padawan. Bah, peut-être que je ne parle pas le langage Yoda, c'est peut-être juste ça. Mais c'est une dinguerie par contre. Hein. C'est-à-dire que là, ça... C'est pas possible. Moi, bon, c'est Forrest Gump. Hein. J'arrête pas de courir. Cours, Zouz, cours. Ils font chier. Ah, c'est des sacs à venin sur ta... J'y crois pas. Hop. Tout ça pour ça. Mais non. Donc sur ta planète, tu sais, c'est des sacs à venin que tu as.
ça y est, je trouve un truc 3 étoiles. Eh, tu t'es dit enfin les efforts récompensés et. Oui, voilà, c'est ce que je veux dire. Pour intéresser un peu les. Pour le coup. Bon, bah, je vais changer de planète. Attends, j'ai mon chat qui fait des conneries. Garfield. Ça veut rentrer dans le placard. Chop. Faut être patient. Hein. Alors, qui me shoot dessus, c'est toi? Bah vous tous, après tout, mais bon. On va en trouver, il va y avoir un. Ouais, on parle pas. Ouais, tu vois, j'ai encore 3 étoiles, là c'est du sac à... Bon, sur ta planète, je vais arrêter, je vais aller ailleurs. Mais par contre, la guerre, elle s'arrête quand, là? Oui, ça commence à être long, là, pour nous. C'est-à-dire que là, mes colons, ils reviennent dans moins de 10 minutes. Hein. C'est-à-dire que ça fait au moins 40 minutes que j'y suis. Hein. Tu veux un coup de main? Je suis pas loin. Bah, si t'es pas loin, si ça te dérange pas. Faut pas, mais... Bah, en attendant, je cherche pas les... Je vais finir, mais c'est juste long quoi. C'est pas autant, c'est pas les sentinelles qui me mettent en difficulté. Hein. Parle. Si je prends 2-3 tirs, c'est parce que vraiment je suis pas là, que je regarde plutôt ce que le chat. Il fait. Oh ah oui. Ah oui. Je viens de voir ton tapis vert. T'as vu, il est beau. Hein. Oh la vache. En fait, je me suis mis sur le toit parce que sinon, en fait, si je suis en plein milieu du sol, bah, le tapis m'empêche de bouger, en fait. Ah, t'es sur un toit? Je vois même pas le bâtiment. Non, non, je vole, t'inquiète. Oh, wow, bah là t'as de la thune. Hein. Ah, je sais, je suis passé de 5000, allez, 5005 ou 5008 nanites à 7000. Juste, et j'ai pas encore ramassé, donc je t'explique pas en ramassant. Hein. Ah, quand je te dis que ça fait un moment que je suis en train de les taper, hein, c'est... Ah oui. Je m'en rappelle, ouais, hein. Je pensais pas à ce point-là. Ah non, moi j'avais pas eu ça. C'est-à-dire que là, dans 5 minutes, mes colons reviennent, donc... Ce qui me fait rire, c'est que les sentinelles, au moment après toi, moi je les... Je suis assez serein. Ah oh, mais il y a un bug là, possible. Elle spawn au fur et à mesure. Ah bah c'est sûr, mais Non mais t'as un bug là.
Alors. On va ramasser un petit peu parce que pour le coup, on a pas fait ça pour rien quand même. Ah bah si t'en veux pas, je vais t'aider. Hein. Je me doute bien. Ah ça y est, vous en entrez moi. Oh mais attends, je vais mettre la mienne de santé. C'est-à-dire qu'en fait, je me demande si vraiment il y a le boss, il y a le boss final ou pas, parce que... Non, non, mais t'as un bug, là. Moi, j'avais pas tout ça, pas déconner. Oh, c'est infernal. Ça n'arrête pas, hein. En vrai, limite, je serais d'avis de... Tu sais, j'en laissais une, et après, j'en ramasse, et je ramasse les trucs, et voilà. Parce que là, pour le coup... Attends, il en reste combien? Il en reste 4. Le problème, c'est qu'il reste toujours 4 en fait. À chaque fois que je tue les 4, ils respawn. Et ainsi de suite, quoi. Donc. Je suis désolé, mes citoyens, mais vous allez être en guerre constamment parce que, bah là. Et c'est-à-dire qu'en fait, si tu te trouves là, en plein milieu. Bah, tu peux te retrouver à être bloqué parce que tu peux pas bouger parce qu'à cause il y a trop de capsules vertes. Regarde, genre là, j'arrive à me frayer un chemin, mais c'est compliqué quoi. Oh, tu tires pas sur mon fils. Oh, ouais. Là, je pense qu'il y a un gros problème. Faut que t'arrêtes, hein, je pense. Ouais, je ramasse, je fais plus que ramasser, c'est là. Oui, je continue à les tuer. Cela dit, c'est un bon entraînement. Oui. Ah, mais quand je te dis, ça faisait 45 minutes, plus d'une demi-heure que j'étais en train de les taper. Parce que c'est vrai. Hein. Je pensais pas. Ah ouais, je peux pas avancer. Non, je t'ai dit. Ça bloque le passage. Du coup, comme vous pouvez le voir, on a récupéré quand même pas mal de modules, du coup. C'est bon, là? Non. Ah non, il reste deux. Ouais, mais calme sur les meurtres, parce que du coup, si tu au pire, t'en laisses qu'un seul en vie, et comme ça, après, derrière, nous lâche un peu la grappe, là, parce que là... Je peux t'en prendre deux, trois, les bidons? Oh, bah, bien sûr. Oh, bah, ça partira plus vite. Ah, parce que là, quand même...
Mon chat qui s'amuse toujours dans son carton. Chaque fois j'ai peur qu'on entende, mais en vrai, je pense que ça va. Donc surtout, hein, le verre récupéré, c'est ce qui peut vous rapporter des modules en point d'interrogation. Et les modules en point d'interrogation, ils se vendent plus cher que des modules S. Alors surtout, faut pas les ouvrir, parce que si vous les ouvrez, bah là, pour le coup... Ils perdent leur valeur. Ouais, ils perdent de leur valeur. Mais du coup, nous, ce qu'on voulait, de base, c'était une ferme à nanite. En voilà, bah voilà une alternative. On en a Ah ouais, non, pour le coup, normalement, c'est que ça va beaucoup plus vite et ça donne beaucoup moins de trucs. Oui, c'est pas à ce point-là, quand même. J'extrais le verre récupéré, mais ça donne beaucoup d'effigies, beaucoup de machins, mais... Mon cargo est full. Là, bientôt, c'est mon vaisseau qui va être full. Et mon exocombinaison qui l'est aussi, donc... Ah oui, moi aussi, putain. Je suis full. Pourtant, je suis au taquet. Aïe. Tire dessus, je peux le tuer. Si tu veux. Après, on aurait 4 autres qui nous tirent dessus, quoi. Arriver des renforts dans 8 secondes. Oh, est-ce que t'aurais pas débugué le truc? Je sais pas. Arriver des renforts. Suppression 3. Ah! Pas les mêmes messages, parfait. Ah! Si, suppression 3, c'est peut-être qu'on va avoir le chien là. Espèce ouais. De chien robot, là, le chien sentinelle là, non? Ah, je sais pas, peut-être que tu nous as débloqué le truc. Ah, oh, j'avoue que si tu nous as débloqué le truc, c'est bien. Hein. On va pouvoir ramasser après derrière en toute tranquillité sans se faire tirer dessus. Qu'est-ce qu'on leur met, non? Je teste différentes armes. Ouais, elles sont là hein, sur le bâton, donc pourquoi pas. Ah, c'est lui qu'il faut tuer là. Lequel? Avec les ongles. Celui qui avait les ongles. C'est... C'est le truc vieux, celui qui est en violet là, d'accord. Non, non. Non, non, il y avait un qui est une forme de triangle. Ok. Et puis il avait des ondes au-dessus. Ok. Peut-être un truc que j'ai pas vu là. Je vais te laisser gérer 2 minutes là. Je vais aller checker ma colonie parce que du coup je crois qu'ils sont arrivés de leur mission. Voir l'opportunité de construction. Un quai à vaisseau ou des modules utilitaires. Ouais, on va prouver le quai à vaisseau. Allez, c'est parti. Ça, on aura une zone d'atterrissage chez nous. Dans la colonie. Bon, par contre, voyez-vous que effectivement on a quand même récupéré pas mal de trucs et qu'on continue encore d'en récupérer. Hein. Ouais, je suis à 9000 nanites, j'ai encore rien vendu. Hein, donc, hop. Merci. Non, celle-là, c'est la mienne, la bleue. La sentinelle bleue. La tue pas, celle-là. J'ai tué que ceux qui ont un point rouge au-dessus de leur crâne. Donc, techniquement, on est bon là, non? J'ai tué la tienne? Non, non. Moi, je sais pas si tu peux la tuer en fait. Moi, je vais l'enlever. Bon, elle tire un peu. Bon, il est bon. Oh, t'es là, toi?
Alors n'oubliez pas que du coup, il donne aussi voilà, du Puginium qui peut être utilisé voilà, pour recharger notre vaisseau. Hein. Donc là, vous inquiétez pas qu'on a une... Oh mais non. Jure, là où il y a mon vaisseau, c'est là où il y a la future construction. Voilà, on va le bouger. Après, ils sont peut-être basés là-dessus aussi pour pouvoir. Parce que comme c'est un truc qui doit accueillir des vaisseaux, on sait pas. Du métal chromatique, et bah, faites donc. Je vais prendre Chansus, je vais juste le déplacer un petit peu plus loin. Ah, ils aiment pas les sentinelles quand tu prends ton vaisseau et que tu oses. Ah, ils aiment pas, nanana. Allez hop. On continue de récupérer. Bon, pour l'instant, c'est de la récupération. Hein. Comment dire que. Avec tout ce qu'on a tué, on a quand même un peu de quoi faire. S'occuper un peu, Samy. Non, mais t'as un bug là, c'est pas possible. Moi, même l'autre colonie, la mienne, c'était pareil. Hein. Et je pouvais en tuer autant que je voulais, ça respawnait tout le temps. Ah, j'espérais deux. Justement que sur cette partie, ce serait pas bugué, mais visiblement, ça allait quand même. J'en ai ces deux là. Je suis en train de récupérer. Ça va que si je peux rester appuyé pour récupérer, juste j'ai besoin de me mettre à proximité d'une capsule. Parce que là, c'est bien compliqué quand même. Je t'aide. Même si j'en ai pas trop besoin, mais. Parce que le truc, c'est que ça veut dire que ma colonie est condamné à rester en conflit et donc du coup ne rien me rapporter cool. En fait ouais parce que tant qu'elle est en attaque les gens travaillent pas, ils peuvent pas rapporter des trucs et tout, donc c'est dommage je trouve. Vous voyez, on récupère du 27 nanites et tout machin juste avec les capsules. Ouais, là je suis à 58, plus 58 nanites, voilà. C'est des petites sommes parce qu'on récupère genre moins de 10 nanites par moins de 10 nanites. Mais à force, vous voyez que là, le bug qu'on a, bon bah. C'était pas la ferme à nanites que j'espérais, mais bon, ça nous a permis de récupérer quand même pas mal de nanites. Et derrière, je pense qu'on ira au Nexus récupérer les crafts les plus importants avec les nanites. Et on se fera plaisir là-dessus. Il ne reste plus qu'une sentinelle. Ouais, même si on la retue, elle fera respawn les 4 autres. C'est dommage, mais c'est comme ça. Oh, dis donc. La place est vide. Il n'y a quasiment plus de capsules. Oula, je suis perdu. Je sais même pas à quoi ça sert les trucs d'armement, puisque j'ai jamais utilisé ces trucs d'armement là, donc... Alors, ah bah je crois que je suis arrivé dans le bar, tiens, que j'ai construit la dernière fois. Il y a personne dedans, mais on est en attaque civile, donc en guerre civile, c'est normal. Ah oui. Ah oui, d'accord. J'ai un peu de verre récupéré. Je la laisse la dernière ou Tu peux, bon, après ça va en faire respawn 4, quoi, donc... Après,
J'ai récupéré un peu de... Faut bien que t'avances, quoi. Ah bah, de toute façon, à un moment donné, oui. Enfin... À un moment donné, je vais arrêter ça, et puis on ira autre part, hein. Si ça continue de bugger comme ça... On essaiera de régler ça hors stream, mais pour le coup, ouais, moi je pensais pas que ça allait durer autant de temps. Parce que, le coup, au final, on est à 2 heures de stream. Ce qu'on a fait, c'est résister. On a fait la guerre civile au sentier. Bon, après, du coup, on a récupéré masse truc, on est revenu au-dessus des 10 000 nanites. Alors qu'on avait 5 000 à la base, et j'ai encore tout ça à vendre, hein, donc là. Là, il y a du 4800, 4800, 4800. Vous voyez que. On a encore de quoi se refaire un peu de nanite. On est 6 sur le stream. Salut tous. Comment allez-vous? Bon, bah, moi, je vais aller ici. Tu vas aller essayer quoi? Parce que on t'a perdu encore. Je vais essayer d'aller chercher. Ouais. Pour faire la vraie. La vraie... Si je retrouve mon vaisseau dans ce bordel. Sinon tu fais. Ah, recherche de santé. Mais c'est normal, c'est parce que t'étais en train de te fight avec les sentinelles du village. Je l'ai pas fait. Je l'ai laissé la dernière. Et là, il est en recherche. Donc là, c'est en train de descendre. Plus qu'une étoile. Voilà. Ça y est, il n'y a plus d'alerte de sentinelle. Pour toi, moi je suis toujours à 3 étoiles. Ah bon ah, oui. D'accord. Tant pour moi. Ah mais il est là-bas mon vaisseau. Hop, je disparais. Alors c'est une manière alternative hein, du coup. Des nanites mais pas sûr que vous ayez le même bug que moi pour le coup. Que là pour le coup je pense qu'on peut parler de bug hein, au bout de plus d'une heure et demie de fight enfin, entre alors il y a eu une heure on va dire de vrai fight et après il y a eu une demi-heure de ramassage de loot. Je ramasse encore. Alors. Bon alors, c'est que t'as pas été encore. Vous voyez que du coup, on a eu du gel de survie, on a eu de l'antimatière, on a eu du bronze sale, on a eu de la géodosite, du lémium. Du magnor d'or, on a eu des effigies de Viken, on a eu beaucoup de d'athalium et de puninium. Donc on va garder ces ressources parce qu'elles nous seront précieuses plus tard. Le puginium il nous est précieux parce que c'est notre carburant de décollage. Donc on va en garder. Après, est-ce que c'est dit qu'on garde tout? Je sais pas. Mais il est sûr que on va essayer de faire autre chose parce que pour le coup on ne s'arrête pas. Et c'est chiant. Oh coucou Taï, merci pour le resub. Hop là.
sont fous. Hein. Qu'est-ce que quoi ? Alors, on est où ma construction là ? Je construisais là où j'avais mis mon vaisseau, mais. On s'en va. Ils sont inconscients, ces gens. Terminal de construction. Ah, bah, il y a encore pour 50 minutes. Ouais, bon. Ok, bon, bah, écoutez, les amis, on va juste se TP, je pense, un peu plus loin. On va perdre les sentinelles et derrière. Parce qu'on va se TP à une station. Et en sortant de la station, on ira à l'anomalie, du coup, pour récupérer. Les crafts liés à la nanite, parce que une fois qu'on les a, après on n'a plus besoin de les redépenser, les nanites, je parle. Donc je pense qu'on peut se dire que là-dessus c'est ce qu'on fera de mieux. Hop, la colonie, hop, le bâtiment spécial président de Zouzou. Il y a deux mecs. Alors, je veux voir le statut de la colonie. C'est une colonie endettée qui a 20% de bonheur avec 51 citoyens. Drôle de récupération qui augmente la productivité. Les citoyens impolis réduisent le bonheur des citoyens. Augmente la productivité avec l'informaticien professionnel. Voilà, donc on a des... On a une petite colonie qui avance un petit peu. Là, on a un nouveau bâtiment qui est en train de se faire. Donc, forcément. Alors, du coup. Hop, on va tout simplement aller dans la station. On va aller se vider un peu les poches parce que là, pour le coup, on les a bien, bien pleines au niveau des modules de... technologie point d'interrogation qui vont nous ramener quelques nanites. Vous allez voir, je vais vous montrer ça. Hop, alors alors qu'est-ce que je peux mettre là de côté. Le bronze sale. Ça, on va en garder parce que ça, au final, plus tard, on en aura besoin. Pas tout de suite, mais plus tard, vous verrez que c'est une ressource qui sera importante. Enfin, importante. On en aura besoin de pas mal. De là à dire que c'est une ressource importante, peut-être pas non plus, mais... J'ai deux cristals de tempête, là. Alors... Ici, on commence à transférer un peu les modules du vaisseau à l'exocombi parce que on va chercher à les vendre tout simplement. Cristal de tempête. Putain, j'ai des cristal de tempête partout là. Oh, quoi que ça, on va le garder, on va le vendre aussi. Hop. L'uranium, on va le garder. Tac. Et tac. Voilà, du coup, on a tous les modules sur nous. Ici, on se dirige juste ici. On va parler à ce monsieur-ci. Je veux acheter des modules 2. Et vous voyez que là, je peux vendre pour 22 000 nanites des fragments d'armes sentinelles. Voilà. Et là, pour pareil, pour l'exocombinaison, je peux en vendre pour 18 000. Ce qui nous fait un total de 38 000 nanites récupérés tout simplement en vendant les modules point d'interrogation.
Et vous voyez que c'est quand même un petit peu rentable cette histoire en termes de nanites, même si de base c'était pas censé arriver. Hop, ici ce qu'on va faire, c'est que je vais appeler l'anomalie. Et puis on va aller voir les crafts qui sont récupérables avec des nanites. Et on va essayer d'en récupérer un maximum. Hop, le Nexus, du coup, qui est une chose assez cool pour bien des choses. Oh. Oh. Oh, cold. Alors, du coup. Comme on l'a déjà vu. Ah bah non, c'est ici. On va se diriger du coup ici. Ici même. Je sais pas s'il y a un truc à faire ici. Non, il y a rien. Au milieu, il y a rien. Je vais vérifier parce qu'on sait jamais. Alors, ici, monsieur du multi-outil. Les recherches d'amélioration du multi-outil. Vous voyez que on a quelques crafts. On a déjà récupéré les crafts du laboratoire de synthèse. Puisque du coup, c'est des crafts qui sont cool. À voir, notamment il y a le pass Atlas. On va les crafter du coup pour YouTube, pour Twitch. On va les crafter, comme ça vous savez un petit peu à quoi vous attendre quand vous avez justement les petits passes. Et vous voyez que ici derrière on a pas mal de choses à récupérer ici. Explosifs liquides, verres vivants. Vous voyez, tout ça, c'est des crafts qui se récupèrent via les nanites. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est dépenser beaucoup de nanites, certes, mais derrière, c'est des crafts que l'on aura. Et on ne sera pas obligé d'aller à Pierre-Paul-Jacques, d'aller chercher à Bubblewed, comment est-ce qu'on fait ce genre de choses, puisqu'on aura déjà tout simplement la réponse, puisqu'on aura déjà tous les crafts. Ça coûte un peu nanites, certes, mais derrière, une fois que ça c'est fait, on est tranquille. Et ça nous enlèvera une épine du pied un peu plus tard, vous le verrez. Iridésite, géodésite. Voilà, donc ça c'est des crafts. Voilà, on a récupéré tous les crafts qui sont ici. Vous voyez qu'on est encore à 49 000, c'est pas non plus très très cher. Le truc, c'est juste que faut avoir les nanites pour ça, parce que derrière toutes les personnes qu'on voit ici ont des trucs à nous faire récupérer via les nanites. Et là pour le coup, ça peut être cher quand on a que ça à faire, quoi. Quand on n'a pas grand chose en termes de nanites. Hop. Ici, le casse. L'amélioration S. Alors. Les points de TP. Le scan. Alors le scan dont notre vaisseau est déjà doté, hein, parce qu'on l'a récupéré sur un vaisseau sentinelle qui l'avait déjà. Donc on n'est pas obligé de tout crafter non plus. Mais il y a des trucs qu'on peut récupérer sans même avoir les crafts. Et bah là au moins on aura les crafts de tout ça. Hein, donc c'est plutôt bien. Et vous voyez que ça défile au niveau des plans. On a 48 000. Nanite. Alors. Je
Tac, ici on a un peu d'armement de vaisseau. Ce serait ce monsieur-là est là uniquement pour les améliorations de type vaisseau. Et donc du coup, quand on va aller checker dans le module technologique des vaisseaux, bah c'est pareil, on va avoir tout un tas de choses qui sont disponibles, qu'on peut crafter, et d'autres que l'on peut pas crafter. Donc voilà, il y a des choses qu'on peut récupérer par nous-mêmes, et il y a des choses où on a besoin de les crafter, et pour avoir les crafts, il faut dépenser quelques nanites. Donc là, c'est ce qu'on est en train de faire, on est en train de dépenser les petites nanites. Et du coup, le seul truc qui nous restera à choper, c'est les données pour récupérer ce qui se passe de l'autre côté, sur l'autre ordinateur. Ici, je vais revérifier, mais je crois qu'on a récupéré le tout. Vous voyez, il n'y a pas de... Hop. Donc là, du coup, on a récupéré toutes les améliorations de type vaisseau. Là, ici, on est sur les améliorations de l'exocombinaison. Oui, qu'on n'a pas grand chose en fait au niveau des exocombinaisons, mais par exemple on a le gant de protection qui tout à l'heure me manquait pour récupérer les oursins par exemple. Et on aura l'occasion de pouvoir récupérer tout ça. Pareil ici, hop, on récupère la raffinerie personnelle. Donc ça, on va s'empêcher de le crafter tout simplement parce que c'est l'une des meilleures choses à faire, et ça nous libérera une place d'inventaire, parce que vous voyez qu'on a la raffinerie portative ici, et on en a plus besoin tout simplement, parce que effectivement on a la raffinerie personnelle qui est juste ici, et donc qui est bien pratique. Hop, et là on a même la raffinerie personnelle MK2. Je me demande si on peut installer les deux ou si on est... Alors, je vais démonter. Ah ouais, si on peut installer les deux séparément. Hop, hop. Et là, il me faudra juste un peu de cobalt ionisé. Et du coup, on aura la raffinerie personnelle MK2. Hop. Qui est donc plutôt pratique, d'avoir une raffinerie de niveau 2 sur soi. On n'a rien besoin de faire, c'est juste dans le sac à dos. C'est très très pratique et ça nous a dépanné plus d'une fois avec Zouz. Yep. Bon, décidément, on ne trouve pas du tout ce qu'on voudrait vous montrer, c'est un peu dommage. Non, je cherche. C'est fou parce qu'il est censé en avoir un peu partout et je sais pas s'il y a une technique pour les trouver ou quoi, mais c'est une technique, je suis pas au courant. Moi non plus. C'est pas possible. Du coup, toi, t'es aussi bien en tant que stockage et en tant que technologie, t'es blindé au niveau de l'exocombi, c'est ce que tu disais. Alors, pour stockage, oui. Pas au niveau technologie, il doit me rester encore. Ok, d'accord. À débloquer. Alors, du coup, ici, vaisseau, on a. On va aller checker. Ici, au niveau des exonerfs, pour l'instant on n'en a pas encore, mais ça devait tarder, du coup on pourra bientôt, je pense, en faire. Après on peut en faire quand on veut, hein. C'est juste une question de savoir si on les a débloqués ou pas avec les données ou pas. Là pour le coup, nous on n'a pas beaucoup débloqué. Si on en a débloqué, on a dû en débloquer un ou deux, mais pas plus. Donc, alors, mon avis personnel, mais ça reste. Ça. Oui. Ah, on t'a perdu sur mon avis personnel. Donc, je sais pas. Les exonefs. Ça te permet d'aller sur la. T'as l'abri. Ouais. Mais sorti de là. Si ton truc il est pas équipé taquet,
t'as pas de scanner au départ, t'as rien, t'es obligé de sortir à chaque fois. Ouais, c'est pour ça, là, du coup, je suis en train de débloquer toutes les améliorations, et comme ça, après, derrière, donc, si je craft un exonerf, où j'aurai besoin pour chez moi, et bah, je pourrais l'équiper derrière de modules d'amélioration, qui permet d'avoir un scanner puissant, tout ça, machin. Donc, on va essayer de se faire tout ça. Bon, on fera tout ça avec vous, YouTube et Twitch, donc... ne vous inquiétez pas, on est là pour vous, on est là pour vous. On va tout faire ensemble, on va essayer d'exploiter le jeu au maximum de ses capacités, parce que le jeu est un peu infini, donc si vous... comment vous dire que... arrive à un moment donné où ça va être compliqué. Alors, du coup... c'est vrai que la dernière fois, du coup, j'avais récupéré la perceuse optique, parce que du coup, quand on a la perceuse optique et qu'on a, du coup, bah, si un jour on arrive à avoir nos bouboules, le fait que j'ai mis la perceuse optique sur un truc qui en plus est surchargé, j'obtiens 68% de moisissure fungus en plus par boule tuée. Donc du coup ça commence à devenir intéressant parce qu'on arrive à faire de très très grosses quantités avec très très peu de boules. Et du coup c'est bien. Parce que, du c'est coup, quoi ton truc? C'est une amélioration de laser, tu sais, au niveau de la récolte d'objets. C'est lequel tu dis? Écoute, c'est la perceuse optique. Ah oui, si, je l'ai. J'allais dire que ça me dit rien. En gros, c'est une amélioration qui te permet de récupérer, de récupérer plus de ressources quand tu mines avec cette amélioration-là dessus. Quoi. Je l'ai en classe test en plus. Bah oui, en fait, il y est qu'en classe S. Donc, si tu l'as, c'est obligatoirement du classe S. Mais du coup, effectivement, moi je l'ai mis sur une case surcharge. Ce qui fait que du coup, j'obtiens encore plus de pourcentage, enfin j'ai un pourcentage de... Tu l'as mis sur une case violette, les surcharges du multi-outil. Ouais. Et du coup, au lieu de passer de 50% des ressources extraites, je passe à 68, je crois. Attends, je... Mais comment ça tu mets sur une case? Bah ton module. Regarde le stream et j'ai... Je suis en train. Tu vois, en fait, mon module, là, perceuse optique, tu vois, si je le mets ici, il y a 50%. Ouais. Ici, si je le mets sur la petite case qui est un peu dorée, un peu tout ce que tu veux, tu vois qu'il passe à... Même pas à... Il passe à 88%. Parce que la technologie est surchargée. Donc, du coup, elle est deux fois plus efficace puisqu'elle est surchargée, en fait. Et tu la surcharges comment ? Bah alors ça c'est... je crois que t'as pas de truc pour surcharger volontairement le truc. Ça va dépendre de ton multi-outil en fait, si tu veux. D'accord. Je crois. Et c'est pareil dans les vaisseaux, tu vois, c'est pareil, tu vois. Ici, tu vois, sur mon vaisseau au Chansus, on voit que Chansus, il a un shield de classe S. Et je l'ai mis sur le truc surchargé, comme ça, du coup, il a un shield qui est un peu plus puissant. Qui permet du coup de résister un peu mieux, quoi. J'en ai pas, moi. J'ai pas de trucs que j'avais. Eh ben écoute. Ah, si, peut-être. Ouais. Ok, d'accord. Et voilà, du coup, bah, c'est une petite astuce. Si tu as des choses en violet comme ça, une case un peu violette, avec un petit peu un espèce de voile violet, c'est que c'est. Un truc qui, quand tu vas le mettre, va augmenter encore plus ta technologie. Capacité. Que tu vas mettre dessus. Ok, d'accord. Yeah. Donc ça, tu vois, c'est pareil. C'est un truc que j'ai montré, bah, du coup, sur un des lives. Donc voilà. C'est comme quoi, on en apprend tous les jours avec Kipo Quiz. Kipo Quiz, d'accord. Hop, je vais rajouter un conteneur et on va récupérer
Et ben on va récupérer de quoi faire de la jardinerie, parce que tout à l'heure on a parlé de jardinerie justement, et du coup on va récupérer un peu de jardinerie. Hop. Et j'ai plus assez de données technologiques. Et vous voyez que du coup, on a récupéré du coup pas mal de plants. Si je vais ici, vous voyez que là, du coup, on a de quoi faire. Vous voyez que si je vais ici, bah voilà, en fait, on va avoir plein de choses en fonction des technologies. Que ce soit là, du coup, dans l'exocombinaison, mais là, c'est pareil. En fait, là, je peux mettre plein de ressources autant que je veux. C'est pas très très grave en fait, c'est à dire que je vais avoir ce qu'il faut. Et pareil là du coup pour le multi-outil qu'on va pouvoir bientôt faire progresser. J'aimerais juste essayer de finir de réparer le multi-outil avec les cœurs cristallisés. Ça je me suis pas encore renseigné comment est-ce qu'on les obtient. Mais dès que j'ai l'info, ben, on ira voir ça ensemble. Les petits amis de YouTube et de Twitch Television. Du coup. Alors. Qu'est-ce qu'on fait là maintenant? Est-ce que ce serait pas le moment où je décale de jeu? Ah, c'est possible. Que j'avais annoncé en début de live qu'on ferait un petit peu de No Man's Sky et qu'on ferait un petit peu de Elden Ring, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'Elden Ring et que je sais qu'il y en a qui sont pas mal demandeurs de ce jeu là aussi, qui est plutôt cool, on va pas se mentir. Bah, je pense qu'on va décaler de jeu, mais c'est pas pour autant que tu vas nous quitter. Sur le vocal, je pense qu'on peut continuer. Bah, je vais continuer à chercher. Ouais, puis à la limite, si tu trouves pendant que je suis en train pendant de défaire que... du mob sur Elden Ring, on reviendra et je vous montrerai si on trouve. Si on trouve, on fera ça. Parce qu'après, il y aurait un moyen de vous montrer, mais c'est une base qu'on a faite sur... notre partie en multi et après pour le coup en vrai on pourrait le faire, tu pourrais juste oui. aller dessus et je te rejoins via le Nexus, mais pour le coup est-ce que en vrai si ça a un intérêt quand même puisque du coup on montre ce que c'est, mais pour le coup bah là c'est vrai qu'au niveau des nanites j'ai encore 43 000 hein, et j'ai dépensé toutes les nanites. Ah par contre ce que je pourrais faire. Alors, avant qu'on se quitte, on va faire vite fait un petit truc. On va se faire un petit truc ici. Alors, je sais pas ce que c'est, ça, qui me montre, là. Structure abandonnée. Okay, ouais, bon. Faut chercher les clés. Ah, structure abandonnée, c'est assez ça, vieux. Oui, c'est... Et ça rapporte l'argent, hein. Ouais, bah, je suis à 109 millions, donc de là à ce que je sois un peu en manque de sous-sous. Je te dis pas combien je suis. Et oui, je sais bien, je sais bien que toi t'es riche. Et du coup, est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le fait pas? Je ne sais pas. Par contre, ce que je peux faire, moi de mon côté, c'est que je vais appeler mon cargo. Et je vais vous montrer ce qu'on peut faire aussi avec un peu de nanite. Hop. Pourquoi mon cargo il est où? Bon, je vais dire les cargos. Et si je peux pas l'appeler là? Mais non. Alors. Peut-être parce que je suis encore trop proche de la planète. On va s'éloigner un petit peu. Voilà. Alors. T'as déjà un cargo? Ah oui, j'ai fait quelques distorsions du coup avec le vaisseau, notre premier vaisseau. C'était pas celui-là, mais
qui était le, celui que j'ai en classe S au jour d'aujourd'hui sur, le, sur la partie. Sur la partie là. Et du coup, ouais, on avait fait. On avait sauvé un meso et okay. un cargo. Il nous avait donné le sien. En guise de remerciement. Cargo que du coup j'ai allègrement récupéré. Puisque c'est la gratuité de la chose. Alors du coup, c'est ici. Et vous voyez qu'en fait, je. Ah, c'est pas ici. Je me suis trompé. C'est toujours pas là. Ça, c'est la distorsion. Pas ce qui nous intéresse ici. Mais c'est ici. Je vais dans gérer la flotte. Je peux gérer l'escadron. Et avec des nanites, je vais pouvoir venir déverrouiller. Et à plus ça va, à plus c'est cher. Donc. Vous voyez que le dernier, là, il est à 3000 et quelques. Vous voyez que maintenant, je vais avoir j'ai 4 emplacements d'escadrons qui pourront venir me protéger en cas de danger. Et donc, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour recruter des pilotes. Parce que ça, pour le coup, c'est un truc intéressant que, du coup, je peux montrer avant qu'on décale sur Elden Ring. Hop. Alors, ce qu'il nous faut, c'est aller dans une station spatiale. Bien sûr, il y a un autre cargo qui vient me spawn dessus. Intérieurement, des frérots, j'ai pas envie d'acheter de module de frégate encore, puisque je cherche une type de frégate bien particulier. Hop. Par contre, il y a un monsieur qui veut m'appeler. Qu'est-ce que tu veux me vendre, monsieur? Un résonateur magnétique. Ok. Ok, bah il était juste dans la merde et il fallait qu'on le dépanne. Ok, bon. Bah, let's go, hein. Pourquoi pas. Hop. Et du coup, on a une nouveau rang de d'amitié avec les geeks. Bah pourquoi pas, j'ai envie de dire. Hop, ici du coup, on va arriver ici. Et là, notre objectif, il est d'attendre les pilotes. Ils vont arriver, petit à petit. Ça va arriver, et derrière, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur proposer le poste de rejoindre l'escadron. Et après, ce sera à nous de savoir si on veut les garder ou pas. En fonction de leur niveau, faudra faire gaffe... à plein de trucs, notamment le nombre de cibles qu'ils ont tués, tout ça machin. Et comme ça, dès qu'on va se faire agresser, dès qu'on va se faire attaquer, tout ça machin, on pourra demander, parce que du coup, là vous avez vu que ici je peux, ah non du coup ici je suis atterri, donc, mais tout à l'heure je pouvais appeler le cargo, mais je pouvais aussi appeler du coup l'escadron, c'est-à-dire qu'en fait bah, l'escadron viendra tout de suite si je les appelle. Et pourra m'aider à tuer, par exemple, des pirates qui pourraient venir m'embêter, tout ça. Alors, pour moi, c'est automatique. J'ai pas besoin de les appeler dès que je veux faire agresser. Alors, le truc, c'est que en fonction de ce que tu fais, si tu fais full voyage spatial, je suis pas sûr qu'ils te suivent tout de suite. Ah, moi, ils me suivent partout. Ah ouais ? Ah, alors, ouais, partout, tout de suite. Moi, sur ma sauvegarde, de temps en temps, ils... Ouais, donc du coup, ouais, je peux ici. Vous voyez que lui, par exemple, c'est un classe C, qu'il a des acrobaties médiocres, de l'anticipation médiocre, l'empathie, elle est épouvantable, donc lui, il peut nous laisser crever, il s'en bat les couilles. Il a 4 victimes à son compteur, et on voit que, bon, bah, c'est pas le pilote que moi je voudrais recruter dans mon escadron. Moi, je veux des pilotes de chasse, des pilotes. Il vient d'avoir son permis, lui. Ah, j'avoue qu'elle a pour le coup. Bonjour ami. Eh ben bonjour mon ami. Me ferais-tu le plaisir de me montrer ta carte de pilote? Alors vous voyez que lui par exemple, il a de l'anticipation excellent, l'acrobatie excellent, le charisme excellent, la navigation excellent. Il a 66 victimes au compteur. Et remarque, il a le regard hanté. Ok. Et on voit que du coup, en fait, vous voyez, on a les stats aussi de son vaisseau pour savoir si effectivement il peut nous suivre. Je pense qu'il y a ça aussi. C'est que je pense que
J'ai dû faire un saut qui est trop grand et je vois la portée de l'hyperpropulsion. Elle est pas du tout la même que le mien. Que... Oh, l'Octem! Comment ça va, mon petit Octem? Ouais, c'est BG. Le jeu. Ah bah, merci. Merci beaucoup. Du coup, ouais, on voit que le. Bah, ça va plutôt bien. Ça va plutôt bien. Du coup, on voit qu'effectivement, il a une faible portée d'hyperpropulsion. Et du coup, je me dis, peut-être que c'est parce que j'avais un... Bon, là, du coup, celui-là, on va le recruter parce qu'il a quand même des bonnes notes. Même si c'est pas le plus le couteau le plus aiguisé, on va dire qu'il est quand même pas mal aiguisé. Donc, on va le recruter. Pareil, lui, est-ce que toi, tu veux faire partie... Oh, bah alors, lui, c'est un truc S. C'est pas mal. Au niveau de la classe, on est sur du classe S. Dingue le jeu. Merci. Bah c'est No Man's Sky et du coup bah là il y a mon père aussi qui est avec moi dans le local qui essaye de trouver ce qu'on s'était fixé. Mais voilà. Mais du coup là lui c'est pour l'escadron il serait un peu cool dans le sens où il a l'attitude mécanique il l'a en bien. Après il a la conscience spatiale exceptionnelle, la subtilité exceptionnelle. Par contre l'élégance aérienne elle est épouvantable. Et on voit que remarque, il ne peut pas résister aux orbes gravitationnelles. Donc ça peut être embêtant. Par contre, il a 105 victimes à compteur. Et pareil, là on voit que c'est un mec qui il sait un peu quand même ce qu'il fait. Donc lui il va nous aider, c'est pareil, on va le recruter aussi. Alors que l'autre était plus équilibré, il y avait du bien partout. Lui il est plutôt pas mal. Et en plus, c'est un classe S, donc c'est plutôt cool. Mais des fois, il faut faire attention parce que du coup, moi, c'est peut-être aussi parce que j'avais recruté. Ouais, voilà. Vous voyez, par exemple, ça, c'est pas quelqu'un à recruter parce que bah, il a pas le, il a pas de bonne, il a pas de bonne, de bonnes stats. Voilà, c'est ce que je cherchais. Merci. Hop. Et donc, du coup, bah, l'Octem, si tu veux savoir, en fait, j'ai refait une partie de zéro, du coup, sur No Man's Sky. Et bah du coup bah il y a tout qui est disponible, toutes les rediffs sont disponibles sur YouTube et bah du coup bah là on continue un petit peu l'aventure et bah du coup il y a mon papa qui m'a rejoint pour ce live voilà. Témérité inexistante. Je connais pas du tout le jeu. Et bah vu que tu m'avais fortement conseillé Star Citizen. Je pense que tu devrais quand même pas trop mal aimer No Man's Sky. No Man's Sky, c'est un jeu qui est rené de ses cendres, mais de fou furieux. Faut savoir qu'au tout début, c'était pas du tout ça le jeu. Le jeu était pas ouf. Oh ! Oh, j'ai une bête ! J'ai une bête là avec moi là. Anticipation excellente. Aptitude mécanique excellente. Dévouement exceptionnel. Fanfaronnade sans égal. 243 victimes à son compteur. Oh bah viens avec nous. Ouais, je connais le jeu juste à sa sortie. Et bah faut savoir que ça, du coup. Bah ça n'a plus rien à voir. Ça n'a plus rien à voir. Déjà, faut savoir que ça, c'est une station spatiale. Avant, les stations spatiales, c'est pas si tu te souviens. Ah, c'était pas du tout ça. Hein. C'était juste deux remparts en haut et t'avais des chocs qui t'étaient rattachés. En fonction de d'où est-ce que tu prenais. Et donc du coup là, on a recruté 3 personnes. On peut encore en recruter une. On va essayer de recruter le dernier. Et je vais vous montrer du coup. On va essayer de faire un fight spatial avec. Pour vous montrer un petit peu. Mais du coup, ouais, le jeu est rené de ses cendres de fou furieux. On a des grosses mises à jour. Il y a plein de choses qui ont été rajoutées. Et de gros moyens quand même... Ils sont mis ouais 13 victimes, t'es pas intéressant mon gars. Là on essaie juste de recruter un dernier escadron, un dernier membre pour l'escadron, et derrière on va aller essayer de se faire un petit fight spatial. On va aller faire la bagarre. Je vais bien faire la bagarre. On va aller faire la bagarre et puis bon le mieux serait de trouver des pirates pour pouvoir faire la bagarre. Mais que je vous montre un peu le truc de l'escadron quoi. Est pas mal. Ouais, toi, t'es... Pff, ouais, le truc, c'est que t'as pas beaucoup de victimes à ton compteur. En même temps, t'as pas un vaisseau qui est trop fait pour, hein, mon copain. Toi, t'es un vaisseau, c'est fait pour transporter les gens.
Que t'es que 12 victimes à ton compteur, je peux comprendre, tu vois. alors... Mais ouais, il y a eu énormément de choses qui ont été refaites sur le jeu, qui ont été améliorées, et du coup, il y a quand même pas mal de choses à faire maintenant, et ça, pour le coup... Ah bah, ça, c'est... Mais en fait, alors, vous voyez que, du coup, là, c'est un gars de notre escadron, pour comment je le sais, tout simplement, parce qu'en fait, je ne peux pas le recruter. C'est-à-dire que, vous voyez, je peux proposer de commercer, je peux faire une offre pour son vaisseau, mais je peux pas le recruter. Bah, tout simplement parce qu'en fait, c'était un gars qui est déjà dans notre escadron. Et donc, du coup, bah, je peux pas le recruter pour ça, en fait. Alors, toi. Allez, toi, je te recrute aussi. Ça fera... Du coup, j'aurai 2 A et 2 S. Et voilà, du coup, dans mon escadron, on va être pas trop trop mal. On va aller faire quelques petits... Bon, on va décaler sur le ring un peu plus tard, du coup, les amis. Je voulais juste vous montrer ça. Mais on décalera sur le ring juste après. Vous inquiétez pas les amis, hop. C'est vrai que j'avais dit, genre, je décale et tout, puis au final, c'est le jeu qui vaut ça, mais on va faire quelques voyages intersystèmes où on va essayer de se faire attaquer par des pirates. Et normalement, bah, j'espère que du coup, on pourra voir l'escadron... En formation et qui peut éventuellement nous aider à attaquer. Alors je sais alors pas tu si tu peux l'appeler. Hein. Ouais ouais je peux l'appeler. Hein. Ça je suis au courant. Sans faire la. Hop, je fais ici et là je peux ouais, appeler l'escadron et vous voyez que du coup voilà ils sont là, ils sont autour de moi, voilà ils naviguent autour de moi et du coup bah voilà si je me fais attaquer. Ah, j'ai l'équipe, hein. Ah, en vrai, ça fait quand même bien stylé de voyager avec eux. Ah, ils sont là pour me protéger. Ils sont pas là pour enfiler des perles. Et vous voyez que j'en ai un au-dessus. Et j'ai les trois autres qui sont juste à côté. Et pour le coup, c'est un peu cool de savoir tout ça et que tout ça soit là, quoi. Et là, c'est pareil, du coup, quand je recule, quand hop, on les voit un peu plus. Et du coup, bah, c'est pareil, si je me fais attaquer... Bon, j'aimerais bien faire un petit combat avec eux, quand même. On va faire quelques voyages jusqu'à temps qu'on se fasse attaquer. Et puis derrière, on décale sur Elden Ring, comme c'était dit en début de live. Je sais même plus où j'en suis dans Elden Ring. Ça fait un moment que j'y ai pas joué, donc... on avait affronté... Ah, bah, je crois que je suis contre... Le clair, je crois. Ah ouais, je crois qu'on va pas, on va pas kiffer là. Je compte pas Liquette, je crois. Donc, il me semble qu'on va pas passer un très très bon moment. Ok. Non, bah du coup, pas de. Alors là. J'aimerais bien voir un truc là, parce que là, c'est que ça ressemble beaucoup aux stations d'avant. Ah non, c'est pas du tout les stations d'avant, ok. Mais de loin, tu sais, ça ressemblait un petit peu à ce qu'on avait avant en station. Et comme ils ont pas encore changé les stations pirates et les stations. Les autres stations, là, du coup, je voulais savoir si c'était pas un peu ça. Du coup, non, c'est pas ça. Hop. Hop. On fait un petit voyage. En tout cas, on est à 20 followers de l'objectif. Oh ouais, je suis assez content. C'est quand même pas mal monté grâce à No Man's Sky. Donc, merci à tous. Parce que vraiment, ça me fait plaisir de voir qu'on est de plus en plus nombreux sur la chaîne. Autant que ce soit la chaîne YouTube comme la chaîne Twitch, je vois qu'on est quand même pas mal nombreux. Donc, ça me fait grave plaisir. Donc, merci à vous. Du soutien. C'est plutôt cool. Hop. Toujours pas. Ouais, on va essayer de faire un petit combat avec eux quand même. On les a pas recrutés pour rien. Surtout que ça nous a coûté des nanites, alors... Et surtout ça, je me dis, ça nous a coûté quand même
des nanites et pour autant. Donc on va essayer de faire un petit combat avec eux là. J'aimerais bien que les pirates soient sur cette planète, sont dans ce système là. Dis-moi que c'est vrai. Oh oui, ils sont là. On appelle l'escadron. Voilà, on va faire le petit combat. Hop. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Hop. Est-ce que j'ai mon escadron là? Je les ai pas vus. Ah si, bah voilà, les voilà, ils sont là. Ils vont m'aider. Tac. Ah oui, du coup, ouais, on voit quand même que là, ils ont quand même bien aidé. Tac. Ah et ça tire avec moi, c'est trop cool. Signal de détresse. Oh bah on peut même essayer de voir pour le cargo derrière. Le cargo elle est jolie, a l'air joli. C'est qui me tire dessus là? Le mec il a 2 PV là. Ok, ok, c'est quand même pas mal cool. Il nous aide plutôt, plutôt bien, c'est cool. Alors. Hop. Alors. Tac. Bon, c'est un peu la guerre. Après, c'est en même temps un peu ce qu'on cherchait. On a l'escadron qui combat avec nous. Et ça, pour le coup, c'est une petite tête qui peut être sympathique, qui peut être appréciée et appréciable. Ça dépend de comment on se fait attaquer dans les airs, mais ça peut être cool. Pour quelques nanites, c'est un bon compromis. Flotte civile sauvée des... Voilà. On a récupéré... Ah mince. Alors, lui il m'attaque encore. Alors faut que je fasse gaffe parce que j'ai tendance à trop... à tuer trop de monde en fait à chaque fois que je sauve les vaisseaux civils. Parce que vous voyez là par exemple c'était un vaisseau geek. Et c'était pas du tout un vaisseau méchant. Donc du coup j'ai tendance à peut-être un peu trop... un peu trop attaquer les gens, c'est une possibilité. Hop, ici on va aller vite fait juste dans le cargo. Hop. Hop là. Du coup, ce monsieur. Bonjour monsieur, comment allez-vous? C'est un... Oh, le cargo a une très belle forme. Mais pour le coup, si je compare au mien, il est un peu en dessous. Il est un peu en dessous. Il est un peu en dessous. Est-ce qu'il y a des trucs à récupérer? Alors, faut pas hésiter hein, quand vous êtes dans un cargo. Même s'il n'est pas à vous, n'hésitez pas. Hein, vous pouvez aller dans ces pièces-là. Bon, là, pour le coup, lui, il a rien. Donc, pour le coup, c'est vraiment un cargo pourri. Mais des fois, il y a des pièces où vous pouvez récupérer du carbone. Tout ça, vous pouvez vous servir. Hein, c'est la gratuité. Hop. Donc du coup, je pense que nous, on va peut-être se laisser là-dessus. Regarde, Zeus nous a rejoint. Hop. Mais ouais, c'est vrai que du coup, on voit pas ta cape. Alors, t'es censé en avoir une, mais on la voit pas. Ouais. Donc du coup, on va se laisser là-dessus pour No Man's Sky.
Et puis derrière, nous, on va des cales sur Elden Ring. Du coup, on va essayer de faire le petit boss qui nous attend. Et on se retrouvera un peu plus tard pour du No Man's Sky, tout simplement. Hop. Alors. Oui, je crois que c'est ça.